Bonjour, au programme, la rencontre à Toulouse, des calèches à Montpellier et les impôts en Aveyron. Ah, ils avaient manqué pendant les vacances. Oh là 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 là, le retour des bouchons sur la rocade de Toulouse. Oh, ce bordel, ce stress. Si vous voulez, la rocade à Toulouse, c'est une sorte d'escape game géant. Moi, j'ai un copain pour aller bosser le lundi à Airbus, il part le dimanche soir, de la semaine d'avant. Après, les mecs, ils se plaignent qu'il y a des retards de livraison sur la 380. Ah oui, mais bon. Toulouse et Montpellier sur le palmarès des villes où il fait bon étudier. Alors c'est pour faire ses études. Après pour les réussir. Oh d'ailleurs, à Vendargues, à côté de Montpellier, le ramassage scolaire se fait en calèche. Ah bah c'est marrant. Et puis c'est plus écologique. Et je crois qu'il y a encore des villes en France où ils roulent encore en calèche. Mais pas pour l'écologie, non, parce qu'ils n'ont pas le choix. Je crois, hein, je crois qu'à Limoges, ils roulent encore en calèche. C'est en France, hein, Limoges? Oui, bah donc à Limoges. On m'a dit. J'ai un pote qui m'a dit un jour. Je reviens à Limoges. Ah, moi, j'aurais répondu que c'est la meilleure chose qu'il y avait à faire, hein. Rentrer de Limoges. Et enfin, les sujets qui fâchent, ça y est, le prélèvement à la source à partir du 1er janvier. Comment ça gueule en Aveyron? Mais il y a des Aveyronnais qui ont trouvé une technique. Le prélèvement à la source? Nous, ici, on s'en fout, on a bouché le puits. On dit que tous les Aveyronnais sont radins, c'est un cliché. Mon pote à Rodez, là, et il décolle lui-même son papier peint. Bah, il a le droit de changer le papier peint. Non, non, il déménageait, donc du coup, il récupérait. Merci encore de partager nos vidéos. Vous pouvez nous retrouver en spectacle à partir du 21 septembre dans Pat et Fred partent en live au 3T. Et bien sûr, toujours à l'affiche, le spectacle toulousain. Ah oui, et pour les Aveyronnais, le parking est gratuit après 20h. Non, mais ça faut le dire, parce que bon.